Montre-nous qui tu es, un atelier du musée Lorrain. Tadam, voici Madame de Saint-Balmont chevauchant fièrement son cheval. Le peintre Claude Deruet peint cette femme de manière grandiose et dans une posture ordinairement réservée aux hommes. Il faut dire que Madame de Saint-Balmont était une femme courageuse. Regarde à l'arrière-plan, on peut y voir certains de ses exploits. Elle dirige ses soldats, chasse des voleurs ou part au secours de ceux qui en ont besoin. L'artiste célèbre l'héroïsme du personnage par sa posture, l'équipement majestueux de son cheval, sa tenue vestimentaire de cavalier et d'autres objets. Son chapeau, son bâton de commandement, son écharpe blanche et son blason, les couronnes, son armure et son épée. Et si toi aussi tu te racontais dans une image, montre-nous qui tu es. Pour dessiner ce qui te rend unique, il te faudra une feuille ou un bout de carton format carré pour le fond, du papier de couleur, des feuilles blanches et des crayons. Pour finir, n'oublie pas tes ciseaux et ta colle. Commençons par le paysage. Dans quel décor souhaites-tu te placer? Un parc? Ta maison? Sur une montagne? Ou dans ta bulle peut-être? Découpe une forme simple évoquant ce lieu et colle-la sur ton fond. Ensuite, c'est à toi d'entrer en scène. Mais quelle position vas-tu choisir? Tu peux te dessiner ou demander à tes parents une photo de toi à découper. Maintenant, sur une nouvelle feuille, dessine ce qui te représente le mieux. Que vas-tu sélectionner? Ta collection de dinosaures? Ta passion pour les chevaux ou le football? Tes beaux yeux? Ton tempérament rêveur? La musique que tu écoutes? Et comment représenter ta gourmandise ou tes longues heures de lecture? Avec des symboles, des pictogrammes? Tu sais, ce sont ces petits dessins très simples que tout le monde comprend. À ton tour d'essayer. Dessine autant de passe-temps, d'événements, de caractéristiques qui te rendent unique. Lorsque tu auras assez de dessins, à tes ciseaux, choisis ceux qui te semblent les plus intéressants, découpe-les, puis dispose-les sur ton image. Que vas-tu mettre en avant et comment? Aide-toi de tes feuilles colorées pour mettre en valeur certains dessins. Quand tu seras satisfait de ta composition, colle-la. Au musée, nous avons hâte de te découvrir à travers ton image. Amuse-toi bien et à bientôt!